précieux. C'est ce qui reste. Ah ben, oui, ça d'avoir accepté notre modeste invitation. Encore un grand merci. Non, pas sûr. L'année n'est pas finie, c'est pas mon échec. 10 mars, direction aéroport Charles de Gaulle, ainsi que le musée de l'air et de l'espace. Le report, super. Et avant le musée, ça c'était franchement... Ben, on a visité
l'hospice Guillain, qui était un ancien hôpital psychiatrique, créé en 1857. La dernière sortie, on est 7 ans, on avait largué les amarres en baie de Somme. On est arrivé au Croteau, on a pris le train, ensuite on a été mangé forcément, très bien accueilli. Comme d'ailleurs en France en grande partie. Et ensuite on a visité la ville de Saint-Valéry, le Kyrgyz, et faire une croisade en bateau. Mais c'est vrai que c'était franchement. Nous étions 25 personnes. Et attention, exceptionnellement. Il n'a pas plu. Il a fait du soleil. Il m'énerve. C'est la première fois. Il a fait du soleil, parce que la première fois qu'il a fait du soleil, on était à l'intérieur, en dessous du préau. Je peux dire pour annoncer que c'est dommage parce que c'était quand même une des seules kermesses au quartier qui existait encore. Et maintenant, elle sera supprimée parce que, comme dans beaucoup de domaines, le bénévolat, les bénévoles, et voilà. Donc, dommage, mais c'était quelque chose qui existait depuis plus de 55 ans. Voilà. 2017. Maintenant, vos agents. Là, il n'y a pas. Ça ne coûte pas cher, sinon. J'imagine. Donc, après, on fait les sorties. Vous dites la réalité. Avant chaque moment, c'est gratuit. Mais là, il faut se lever. Là, c'est autre chose. Ou alors, ils n'ont pas encore parti dormir. Donc, nous. Direction Scarbec, il fallait arrêter à Gare Centrale pour prendre la Scarbec. Non, pas le problème. Pour finir, on arrive à Jette. Il allait démarrer pour faire monde. C'est pas loin. Donc on descend à Jette, on se dépêche dans le tunnel avec une personne qui avait la goutte. On peut dire que c'est pénible. On remonte les escaliers, le train pour le Gare Centrale, je dois partir. Nous voulons tout seul sur une place de Scarbec, de Jette. Après, il a fallu appeler un taxi pour nous ramener à Scarbec. On était devant le numéro 36. Ah ouais, en plus, ouais. Bon, le taximan, forcément, au téléphone, non. Devant quel numéro? 36. Numéro 6. 6, grand place. Grand place de Jette, 6. Pas de problème. Forcément, il y avait le numéro 3 qui était tombé. C'est pas vrai. Remise des vœux chez Techno, le 12 janvier, 17h. 2018. Oui. Ça, c'est le programme de 2018. C'est le programme de 2018. Ah ouais, oui, ici, dans un mois. Ah ouais, ouais. Notre première sortie, ce sera le 9 mars. Direction Dinan, dans l'entour de Dinan. C'est le jeudi 3 mai. Là, c'est les cercles de Laken, plus. Mais comme les cercles de Laken ne sont pas ouverts le vendredi matin, parce que c'est de 10 à 12 heures, donc on fait le jeudi. C'est un jeudi. Enfin, vous aurez un rappel par la tête là-bas. Là, c'est un. Vous bloquez les dates, c'est un jeudi. Et la troisième sortie, c'est dans la Vélour, le 21 septembre. La fabrication. Du verre soufflé. Verre de terre. C'est la brasserie Caracol. Midi. Repas à la moutarderie Bistère. Ah oui. Mais le patron. On peut avoir une réduction. Elle s'appelle Fabienne. Ah. Les serres de Laken. Les serres de Laken. Visite de serres de Laken. La visite commence à 10h. Jusque midi. Pour ensuite, vers 14h30, visite d'une chocolaterie.
Dans la foulée, c'est une visite guidée du vieux quartier de Bruxelles. Maintenant, je vais vous dire aussi ce que j'ai oublié, c'est de vous remercier tout le monde, car sans vous et vos recherches d'accompagnants, nous ne savons pas faire ces sorties. Puisqu'on est compté une vingtaine, on ne sait pas loin à quart, de 50 places. C'est vrai qu'au départ, j'ai jamais imaginé que l'association elle se développerait aussi bien. Et surtout, j'étais très touché par ce que André a dit. Hein, c'est le bonheur que vous avez de vous retrouver et qu'on partage de été créé par M. Vincent et Armand Etebro qui a. Il y a 72 ans, puisque j'ai l'âge de TEI, vous êtes de ma vue naître. Et, et c'est quelque chose de merveilleux et un peu d'extraordinaire. Et puis de voir la qualité aussi de vos activités. Et ce que je disais à André tout à l'heure, voilà, mon vœu le plus cher, c'est forcément que ça puisse se prolonger. Et aussi, je pense surtout à tous les jeunes qui maintenant travaillent comme nous on a travaillé. Et puis aux jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Et je ne sais pas encore comment ni exactement. Mais l'idée, ce serait de dire que de pouvoir leur raconter, sans faire 14-18, mais les belles histoires que les uns et les autres on a vécues. Et la seule chose. Finalement importante, c'est toujours de savoir d'où on vient pour savoir où on est et où on va. Hein, on ne doit jamais oublier d'où on vient. Donc ça s'appelle la gratitude. Donc, et Philippe, je crois qu'il a encore dit à la Saint-Éloi, mais que ceux qui ont fondé, déposé et fabriqué les pierres et les fondations de Techno aujourd'hui, ben c'est vous. Hein, c'est que. Et cette entreprise, elle continue à vous appartenir, et donc de vous dire et de vous redire que vous êtes chez vous, chaque fois que vous venez chez Techno, parce qu'il y a une bonne partie de l'entreprise qui vous appartient, et les jeunes aujourd'hui, et puis les moins jeunes, et continuent à construire cette belle cathédrale qui est Techno, sans être prétentieux, mais voilà. Et on a parlé à quelques-uns des... Quand on lit aujourd'hui le 15-15 au Techno, j'espère que vous recevez tous le 15-15 et qu'on voit les références et qu'on voit les belles évolutions des uns et des autres. Allez, c'est quand même une grande fierté. Et puis en même temps, cette intime conviction que tous les sacrifices qu'on a fait les uns et les autres, chacun à notre place, pour contribuer à cette communauté d'hommes et de femmes, quoi. Est en train de se poursuivre et c'est un superbe cadeau et qui est incarné finalement par votre association. Hein, c'est un signe concret de la pérennité des valeurs qu'on a essayé de vivre ensemble et que les jeunes continuent à essayer de vivre au quotidien. Et voilà, ça c'est une merveilleuse satisfaction. Et bravo pour ce que vous faites. Et j'espère et je suis sûr qu'on continuera à pouvoir se rencontrer, à pouvoir partager. Et puis trouver des formules pour qu'on puisse mieux communiquer aux jeunes ben, les bons souvenirs et comment les belles valeurs auxquelles on a cru finalement rendent les hommes et les femmes heureux dans la société. Voilà. Et bravo à tout le monde, et puis bravo, c'est vrai, à l'équipe, au comité qui s'investit bénévolement, et que ça vous apporte encore beaucoup de bonheur aujourd'hui, demain et après-demain. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et que l'amitié qu'on vit ensemble aujourd'hui vous permette de transformer l'hiver en été, à travers les fêtes de fin d'année. Merci pour tout et bravo pour ton nom.
crois qu'il y a pour le métal. Tu veux pas de soucis, faire des seniors. Et on s'est chauffé comme ça, vous avez le matériel. Puis à 6h, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il remet du bois ici, il fait un nouveau feu là, il commence à faire couler un petit peu d'eau de la petite vers la grande chaudière, et puis on le voit disparaître. Et ben, effectivement, parce qu'il est un peu noirci par la fumée, bien qu'il baisse ce couvercle qui a un certain peu de côté.
l'ensemble des sacs de grains, les 600, 700, 800 kg de grains suivant la recette, à 48 degrés, 48. On commence à 48. Tu vas fumer ton doigt, parfait. On est un petit peu en sous-main. On fait comme si, à 48 heures. Alors, une demi-heure après, une demi-heure après, 63. 63. Voilà. 30 autres minutes, 72. Et on termine à 80. Chaque température permet d'extraire d'autres types de sucre. Plus il y aura de sucre, plus il y aura possibilité de fermentation en alcool. Voilà. Nous voulons plus d'autres arômes aussi. Deux, c'est surtout un antiseptique qui va travailler comme... Ça va, venez. On va par ici, venez, venez. Voilà. Plus de 100 degrés, on choisit après une des trois cuves de fermentation. Alors ici, on fait ce qu'on appelle des fermentations. Bien, c'est vous madame. Pas de fermentation basse, pas de pisse. Donc les levures qui travaillent ici vont transformer les sucres en alcool et gaz carbonique, toujours en restant au-dessus de la cuve. Donc ça va flotter. On met 30 litres de levure, ça va durer environ une semaine à 10 jours, avec une température autour de 25 degrés. Donc, vous la contrôlez pour éviter qu'elle monte trop. Ça s'échauffe naturellement quand ça barbote. La troisième, par contre, on a brassé un autre type de barboteur, c'est ce qu'on appelle, ou de besonneur, c'est le terme. Finalement, on l'a cassé en venant avec un diable, notamment un carpe, contrairement aux autres qui sont protégés. Et donc, il y a un problème ici. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est en train de fermenter. Le jour au soir, quand on a mis la vue, les 30 litres de vue, il ne se passe rien. Durant la nuit, de temps en temps, on voit une petite bulle, et puis le lendemain, pendant une semaine environ, ça va travailler comme ça. On a brassé ça le 8 du 3. On est aujourd'hui le 15. Donc, 7 jours. Donc, j'ai dit qu'une fermentation durera environ 7 jours. Ça fermente toujours, mais non, c'est trop qu'est-ce que ça sent encore. Puis, vous pouvez même monter dessus si vous voulez. Maintenant, on est en train de tout doucement refroidir, et on va arriver pour la fin de la semaine à une température au-dessus de 10 degrés. Une bière blonde que vous traitez à la Saxo, numéro 636, ça veut dire pour nous le 636e brassin ici. Brassin, donc je l'ai dit le jeudi 8 mars, il y a 3700 litres. Après, vous pouvez rester là, mais après, le 14 mars, et ici on n'a fait qu'une partie en plus, le reste est déjà fini en bouteille. Vous dites? On a pompé hier, mais la bière a été traversée, elle a été faite. Autour du début février. Février, oui. Alors, parce qu'il faut minimum un mois et demi entre le jour où on brasse la bière et le jour où on peut la vendre. Après, on va mettre en bouteille. Mais... Ah, c'est par ici, oui. Là, c'est, oui. Alors ici, par contre, cette bière-ci avait été mise la fin hier, mais on l'a mise de côté. Et ici, par contre, il y a moins de danger, parce qu'on n'a pas mis, quand on fait du fût, on ne met jamais de sucre de vue. C'est le gaz carbonique qui va permettre de... Comme d'abord, vous ne voulez pas recommencer depuis le début. Ok. À un moment donné, on va décider beaucoup manuellement, un peu trop même. Vous avez peut-être pu remarquer. Ça, donc, pour la mise en bouteille, on trinque les bouteilles neuves. Ok. Donc, il y a ici, c'est pas des neufs, c'est ici. Il y a un gars qui passe son temps, la journée complète, à faire ça. Ok. Et puis, ça avance quand même automatiquement, mais n'oubliez pas ici, c'est. Manuel, c'est caracol. Un introrate. Donc on veut bien que ce tirage, quand ça arrive ici et la bouteille doit être pleine, directement capsule, ça continue son chemin. Quand on fait les plus grandes bouteilles, beaucoup moins, des 3 quarts ou des magnums, c'est encore plus manuel, on prend cette soutireuse, un tuyau derrière et on met bouteille par bouteille. Ok. Sans tomber la bouteille.
Après, ta bouteille est pleine, on la retire, on la met ici. Voilà. Cette bouteille recevra notre bus de. Oh madame, une fois c'est pas vous, c'est bien, vous dire que la banquette qui est contre le. Vous avez le comptoir sur le côté, parce que tantôt il y a un clou qui dépasse et ça déchire les pantalons. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que quand ils vont rentrer dans la salle, il y a une porte et trois marches qui descendent. Et beaucoup oublient les marches. Là, tu peux faire le train. Allez, santé, allez, santé.
Églou, églou. Églou, églou. Elle est de notre. Elle a bu son verre comme les autres. Votre chauffeur, vous savez pourquoi? Mais il est dans la moutarde, lui. Et s'il s'appelle comme moi Philippe, vous savez pourquoi Philippe ici, votre chauffeur, ne transporte pas la même chose que notre chauffeur à nous, qui, enfin, en réalité, c'était Claude. Quelle différence est-il entre Claude, chauffeur de brasserie, et Philippe, chauffeur d'autocar? Ah, je voulais. Degrés d'alcool et brassée par la brasserie Lefebvre. Vous avez vin rouge ou vin blanc. Donc, une façon de cuiser, c'est 2,50€, le verre ou la bière, et le soft, c'est 1,20€. Il n'y a rien, c'est pas lui qui a quelque chose. J'ai du vin. On a pris un quart d'heure de retard à cause d'eau ce matin, mais... Ah ouais, mais ça c'est normal. Pareil que Marie-Claire avait du mal de mettre le slip à Bernard. Il était en érection et alors elle était toute perdue, qu'est-ce que c'est qui se passe? Et voilà. Plus tard que jamais. Regarder le musée à son aise et aller au fond du magasin pour ma collègue Assita chercher le petit colis cadeau. L'histoire elle commence en 1919 avec monsieur François Bister qui possède à Jambes une usine de chicorée. Vous savez tous où est située Jambes. Jambes est en bord de Meuse à côté de Namur. Il fait ça jusqu'en 1926 parce qu'alors que se passe-t-il? Il y a des inondations et l'eau inonde les berges jusqu'à 1,50 m. Donc toute la production de chicorée se retrouve anéantie. Et donc M. Bister arrête. 4 ans plus tard, il rencontre M. Godard, qui possède à Namur, derrière les chemins de fer, une usine de moutarde et de vinaigre. M. Bister la lui rachète, transfère toutes les installations vers le site de Jambes et reçoit par la même occasion notre moutarde, l'impériale, la recette qui a été créée par le grand-père de M. Godard en 1877. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la moutarde était vendue soit à l'épicerie, soit par l'épicier. Donc il avait une charrette avec un grand pot en grès rempli de moutarde. Et donc, voilà, j'entends déjà la suite. Il la servait à la louche, donc dans les pots en grès qui se trouvent sur les plateaux. Et donc, après la guerre, donc, les premiers petits
supermarché arrive. Et donc, M. Visser doit trouver un autre moyen de vendre sa moutarde. C'est pour ça qu'il crée le pot sous cette forme. À quoi cela vous y penser? Voilà. Pourquoi la grenade? Donc, c'était la grenade fabriquée par les Anglais, la grenade Mills, utilisée par les Américains lors de la Libération. Et deuxième raison, ça rappelle le goût piquant de la moutarde en bouche. Première mayonnaise, qui était vendue dans un tube tel que celui-ci. J'espère que personne ne le confond avec son tube de dentifrice. Il va fabriquer la moutarde de Dijon. Ce n'est pas très... vous allez me dire, tout le monde peut la faire. Ben oui, tout le monde peut fabriquer la moutarde de Dijon parce qu'on ne peut pas déposer une marque sur un nom propre. Il va conditionner les légumes. Donc les cornichons, les oignons et les câpres. Les câpres, ils viennent de ville, la Méditerranée. Et il va créer la sauce picanini. Qu'est-ce qu'il y a comme légumes là-dedans? Voilà. Et en épice principale, nous y mettons du curry et du curcuma. La différence entre les deux sauces, le pot étoile et le pot bister, c'est une différence de farine dans la fabrication. En 1991, il s'agit de Fabienne Bister. Elle fait 4 ans d'écolage avec son père et donc ça fait depuis 1995 qu'elle tient, donc elle dirige cette entreprise. Elle va également élaborer de nouvelles recettes avec entre autres que vous avez pu goûter la moutarde au miel. Donc savoureuse, onctueuse, mais pas sucrée de luxe parce que présentée dans des sous-formes de petits pots d'encre. On la retrouve pas dans les supermarchés, il faut plutôt aller vers les épiceries fines. Et aussi, bon, bah, c'est une jolie présentation, vous offrez ça avec une bouteille de bière, une bouteille de vin, et c'est assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va vendre tous nos produits? Ben, je suppose que tout le monde a déjà vu dans les supermarchés les pots étoiles et les pots bistel. Donc ça fait, je l'avais mis hier. On conditionne aussi nos produits dans des pots de 2, 5 et 10 litres. Voilà, aux collectivités, tout ce qui est collectivité, pour revenir ce terme-là. On conditionne aussi notre sauce picanini et la moutarde en des cuves de 1 tonne. Ah bon? Ouais, moi je ne plongerai pas la tête de la première. Je m'y noirerai. À qui va-t-on les vendre, croyez-vous? Voilà, il y a une partie qui part à l'exportation, donc c'est un quart de notre chiffre d'affaires. Quand on parle d'exportation, ce sont évidemment nos pays frontaliers, ainsi que la Chine et le Japon. Alors, nos produits, ben, ils ne viennent pas de la Belgique. Les cornichons, c'est une question de mondialisation, ils proviennent d'Inde. Pourquoi la main-d'œuvre y est moins chère? C'est toujours une culture manuelle. Et aussi grâce à la météo, en Inde, ils ont jusqu'à 3 récoltes par an. Chez nous, on n'en aurait qu'une. Donc, pas assez rentable pour la vente. Les oignons, ils viennent des Pays-Bas. Et nos graines de moutarde, elles viennent du Canada et plutôt des pays. Donc on va les passer dans un moulin. Donc on obtient de la farine. Cette farine, on la transvase dans un brassin et on va l'y mélanger avec de l'eau, du sel, du vinaigre et les épices en fonction de la recette. C'est une étape importante dans la fabrication de la moutarde parce que ce n'est qu'à ce moment-là que la graine va révéler son goût piquant. Pas avant. Donc ça c'est pour la moutarde à l'ancienne et pour la moutarde lisse. Pour la moutarde de lisse, il y a une étape supplémentaire qui est de la passer dans les broyeurs. Voilà, et c'est ça qui va nous rendre une moutarde bien lisse. La fabrication vous paraîtra plus claire après le film ainsi qu'après le passage à l'usine. Donc concernant l'entreprise, donc ici là, se trouve la maison mère, donc on a déménagé, je pense que tout le monde le sait parmi vous. Et nous sommes 14 employés, donc tout bureau confondu. Madame Visser a ouvert une deuxième usine en France en 2002, région de Champagne, près de la ville de Troyes. Là, ils sont 6 employés et ils fabriquent uniquement toute la gamme bio ainsi que toutes les sauces froides, donc la mayonnaise, la comté, l'andalouse, l'aioli, etc. Base de Bister, c'est moutarde et vinaigre, tout le monde connaît les trois.
Jusqu'en 2007, Dompister fabriquait son vinaigre. L'usine avait déménagé sur le site de Bierge, dans le zoning industriel. Et cette année-là, une entreprise des Pays-Bas demande à racheter le vinaigre. Madame Bister accepte, donc nous achetons aussi le vinaigre maintenant aux Pays-Bas, mais seulement Madame Bister a gardé l'appellation étoile. C'est pour que nous, consommateurs belges, on puisse retrouver notre produit. Attention, on n'achète que le vinaigre. Aux Pays-Bas, le jutage de nos légumes, ça reste une recette Bister. Il y a les salons alimentaires, il y a les réunions d'entreprise, etc. Votre sortie aujourd'hui. Donc, nous organisons... Ben oui, hein. Oui, oui, parce que donc, eux, nous fabriquent le bio et les sauces froides. Évidemment, ça nous arrive ici dans les cuves. Nous mettons en pot ici. Et alors, les produits Bister en France, vous les retrouvez dans la gamme des supermarchés U. Pourquoi ne retrouve-t-on pas tous les produits Bister? Alors, voilà. Donc, ma Bister a des accords avec les supermarchés. Maintenant, par exemple, dans ma région, je retrouve plus de variétés dans le rayon produits du terroir. Ah oui. Il faut un peu fouiller et il ne faut pas hésiter de demander au gérant du magasin. Je peux passer le fil ? Du fardelage. Exposé à une température de 175 degrés, le plastique se rétracte pour assurer un transport en toute sécurité. Stock et donc nous travaillons avec un système de raconteurs pour pouvoir stocker plus de marchandises. Alors à gauche, ce sont les palettes ouvertes, donc c'est là que nous prenons des pots pour terminer une commande. Et les palettes plastifiées de blanc, ça se passe la machine là derrière vous. Donc ici, c'est la salle de conditionnement exactement. Normalement, cette table, ce matin, elle a été utilisée pour le jutage. On tarde à l'ancienne, comme ce grain doit être savoureux, onctueux, etc. La moutarde à l'ancienne, il reste de 10 jours à 15 jours. La moutarde lisse, vous le voyez, pour les premiers devant la fenêtre, elle passe dans le broyeur et elle tombe dans l'entonnoir. Donc c'est dans... Thank you.